Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver dans une ambiance de Noël pour une vidéo qui n'est pas du tout sur Noël, mais bon, c'est la vie. J'ai loupé le fait d'avoir un décor de Noël pour mes vidéos idées cadeaux vu que je les ai fait un petit peu trop tôt. Donc aujourd'hui, on va parler minimalisme entouré de plein de choses et de plein de déco. Tout ça est tout à fait logique. J'avais envie de vous faire une vidéo sur le minimalisme et surtout comment tenir le minimalisme, ce qu'on appelle minimalisme, entre guillemets, sur le long terme. Encore une fois, comme vous le savez, moi sur ma chaîne, pour moi le minimalisme ce n'est pas d'avoir aucun objet, rien du tout, c'est juste d'avoir le minimum de choses pour nous, pour vous, ce qui vous est vraiment utile. Si vous avez énormément de choses mais que vous utilisez tout, pour moi je trouve que c'est une forme de minimalisme, puisqu'en fait le contraire du minimalisme c'est l'accumulation, et accumuler des choses qui ne nous servent pas, qui encombrent notre esprit, qui encombrent nos pièces à vivre, et du coup c'est surtout le fait d'avoir voilà, le minimum de choses pour vous. Donc souvent on souhaite se lancer dans une démarche minimaliste après avoir eu un déclic, mais en fait c'est difficile parfois de tenir sur le long terme, de ne pas recommencer à accumuler, et étant donné qu'on a des habitudes de consommation, des habitudes de vie sur qui sont ancrées depuis des années, c'est difficile de changer du tout au tout au quotidien. Donc aujourd'hui je voulais vous partager des astuces pour essayer de changer sur le long terme vers un mode de vie minimaliste. La première de mes astuces, conseils, c'est de faire le tri régulièrement. Donc l'idée, après avoir fait cette étape de gros tri où vous avez uniquement l'essentiel, c'est de faire un tri régulièrement, parce que même si on achète peu, même si on consomme très peu, il y a des choses qui rentrent dans notre maison, qui rentrent dans notre environnement. Forcément, il y a des choses qui s'accumulent malgré nous, donc l'idée c'est de faire un tri régulier. Donc par exemple, moi pour les vêtements, ce que je conseille c'est de faire un tri chaque saison. Dès qu'on est dans une nouvelle saison, on refait le tri sur ce qu'on a envie de mettre, sur ce qu'on ne veut plus, ce qui nous permet aussi de voir vraiment ce dont on a besoin, et de suite on met de côté pour pouvoir vendre les choses ou donner les choses qu'on ne veut plus. Pour chaque pièce de la maison, ce serait cool d'avoir un objectif, par exemple au moins faire le tour de chaque pièce une fois par an, pour voir vraiment si par exemple dans la cuisine, au moins une fois par an, checker si tous les ustensiles sont utilisés. Vraiment, une fois que vous avez fait votre gros tri de base, par exemple tous les ans, refaire chaque pièce pour vérifier s'il n'y a pas des choses que vous n'utilisez pas. Donc avec cet objectif d'une pièce par an, on peut se donner par exemple un objectif de vérifier une pièce tous les 2 mois. Ce qui me semble pas... ça nous donne 2 mois pour faire une pièce, voilà. Après ça dépend du nombre de pièces que vous avez dans votre logement, mais je trouve que c'est assez... ça laisse le temps de bien prendre le temps de vérifier la pièce, de voir si on utilise les choses, etc. Et en même temps, ça presse pas trop. Quand je dis faire un tri régulièrement, c'est aussi, quand on a fait le tri, se débarrasser des choses vraiment régulièrement. C'est-à-dire que des fois, on trie et on fait un tas de choses à donner, un tas de choses à vendre. La pile de vêtements Vinted, tu la connais, genre t'enchaînes, tu commences à empiler toutes les choses et tu te dis bon, ça un jour faudrait que je le mette sur Vinted, sauf que tu sais que tu vas te devoir te poser 1h30 pour faire toutes les photos, pour mettre toutes les annonces, et t'as la flemme à chaque fois parce qu'il y a 50 vêtements. Donc vraiment moi ce que je fais maintenant, c'est que dès qu'il y a une pièce, deux pièces que je ne veux plus, je prends les photos rapides, hop, et je les mets direct sur Vinted par exemple. Mais ça vaut, enfin c'est la même chose pour tout, pour le bon coin ou même pour donner les choses. Donc vraiment le maître mot c'est régulièrement, c'est vraiment dès qu'il y a quelque chose que vous voyez passer dans votre environnement, vous vous dites ce truc, qu'est-ce qu'il fait là, je ne l'utilise pas, tout de suite le donner, le vendre, avoir vraiment ce réflexe pour ne pas même être encombré de choses que vous avez triées en fait. Pareil, ce qu'on fait souvent aussi, c'est de tout mettre dans une autre pièce, genre la pièce vraiment débarras, ou genre ta cave, ou des trucs comme ça. Ça tu te dis, bon bah je vais mettre ça à la cave. Et ça souvent après, c'est ta cave qu'il faut trier en fait. En fait, on reporte le problème. Si c'est pour un changement de saison, par exemple la raclette que tu mets à la cave pour la remonter l'hiver, ça ok parce que tu l'utilises à chaque fois, mais faire vraiment ne pas déplacer le problème et vraiment régler les choses de suite pour ne pas se laisser... bah, dépasser et encore accumuler les choses. Pareil pour les vêtements bébés, les jouets bébés, donc ça c'est la première année, moi je faisais le tri tous les 3 mois, souvent de toute façon à 3 mois il faut changer de vêtements, et du coup je faisais le tri sur ces vêtements d'avant et je m'en débarrassais tout de suite pour ne pas ensuite accumuler les vêtements 3 mois, 6 mois, 9 mois et à ne plus savoir où on en est. Donc vraiment faire le tri pour les enfants, je dirais tous les 3 mois dans les 2 premières années. Pour les vêtements, pour les jouets, tous les 3 mois, parce qu'en fait ils se lassent tellement vite des jouets
où ils évoluent tellement vite dans leur découverte et tout, qu'on peut facilement donner les vêtements ou les jouets tous les 3 mois. Mon deuxième conseil, ce serait de limiter les contraintes liées au minimalisme. En fait, je m'explique souvent, si on choisit ce mode de vie, ça va être pour que ça nous facilite la vie tout simplement. On sait tous les avantages du minimalisme, il y a beaucoup moins de frais au niveau d'argent, il y a beaucoup moins de choses dans notre environnement, donc on y voit plus clair. On sait où est chaque chose est à sa place, bref, il y a plein d'avantages pour le minimalisme, mais il y a aussi des contraintes forcément, comme dans chaque chose un avantage contrainte, bref. Donc l'idée serait vraiment de limiter les contraintes pour pouvoir rester dans un mode de vie minimaliste le plus longtemps possible. Pour moi, la première idée, c'est vraiment de rester avec des choses qui nous correspondent et qui sont efficaces dans notre quotidien. Par exemple, je pense aux produits ménagers. Pour ma part, j'utilise du vinaigre blanc pour nettoyer quasiment toute ma maison. C'est quelque chose qui me correspond extrêmement bien. Et en fait, en remplaçant tous les produits de nettoyage par le vinaigre blanc, j'ai plus qu'un seul produit de nettoyage pour toute ma maison, contrairement à des dizaines de produits que je pouvais avoir avant. Donc dans ce sens-là, c'est plus minimaliste. Le problème, c'est que si vous, le vinaigre blanc, ça vous convient pas, vous avez votre vinaigre blanc, plus vous continuez à acheter vos choses, vos autres produits ménagers à côté en fait. Et c'est là qu'on se retrouve avec une nouvelle accumulation. Un des premiers conseils qu'on vous donne pour avoir un mode de vie plus minimaliste, c'est de faire des produits, d'utiliser des produits qui sont 2 en 1, 3 en 1, comme ça, avec un seul produit, vous faites plusieurs choses. Mais le problème, c'est que si ce produit de base vous convient pas, vous allez finalement racheter le reste et continuer toujours à avoir plus de produits, vous aurez tous vos produits d'avant, plus ce vinaigre blanc. Il y a ce juste milieu à faire entre ne pas persister par exemple avec des choses qui sont pas efficaces parce qu'au bout d'un moment vous reviendrez sur les choses dont vous avez l'habitude. Je parle l'aménage mais ça peut être dans plein d'autres domaines. Par exemple au niveau cosmétique, il y a des shampoings solides qui font aussi savon pour le corps, mais si ces produits vous correspondent pas, que vous avez finalement acheté un produit 2 en 1 plus racheté un shampoing plus racheté un savon, bref vous avez compris, en fait faut quand même rester de base avec vraiment des produits qui vous correspondent, puisque ces produits là au moins vous savez que vous allez les utiliser, c'est sûr et certain, c'est des produits qui vous vont. Donc essayez de faire un changement avec des produits qui sont multi-utilisation, ok, mais faut vraiment que ces produits vous les utilisiez tout simplement et que ça vous corresponde au maximum. J'ai aussi l'exemple de, par exemple, la lessive maison. Moi, je sais qu'il y a plein... Moi, j'adore ma recette de lessive maison, mais je sais qu'il y a plein de gens, dont ma mère, qui a testé ma recette de lessive maison, qui n'aime pas du tout. Du coup, ce qui fait que peut-être qu'elle va avoir ma lessive maison, plus finalement, elle va arracher d'autres lessives derrière. Donc, bref, vous avez compris. Restez avec ce qui fonctionne pour vous. Toujours dans l'idée de limiter les contraintes, moi je trouve une contrainte qui est assez importante, c'est que justement comme on trie beaucoup, comme on trie régulièrement, on se retrouve, comme je vous le disais tout à l'heure, avec des sacs d'objets à donner, des sacs de vêtements à donner, des choses à mettre régulièrement à la poubelle, au recyclage, etc. Donc c'est des choses qui se font tellement régulièrement qu'il y en a tout le temps un peu partout chez vous, entre guillemets. Enfin moi je me suis retrouvée dans ce cas-là en tout cas. Par exemple avec la pile de vêtements qui sont actuellement sur Vinted mais que t'as pas encore vendu, pareil pour le Bon Coin, les choses que tu as mis sur Give mais pareil qui sont pas encore parties et tout, bref. Donc l'idée serait vraiment pour ça de définir des espaces de stockage pour chaque chose. Donc par exemple une boîte pour les objets qui sont à donner, une boîte pour les objets qui sont à vendre, etc. Et aussi de se débarrasser régulièrement. Donc, par exemple les avis que vous mettez sur Vinted, moi je sais qu'au bout d'un moment, au bout d'un an, ils partent au recyclage, à la benne à vêtements, etc. Parce que sinon en fait je me dis qu'ils vont jamais se vendre, ou ils se vendront dans 2 ans, dans 3 ans, mais ça a vraiment le temps aussi de m'encombrer. Donc l'idée c'est vraiment pas ça, bien sûr c'est l'objectif, c'est qu'ils aient une seconde vie, mais si au bout d'un moment ça vous encombre plus qu'autre chose, c'est pas l'objectif. Donc pareil, les vêtements au bout d'un moment ça part à la benne à vêtements, et ça il faut le faire aussi régulièrement pour ne pas avoir justement une pièce où on stocke tout. Et enfin mon dernier conseil, ma dernière astuce pour tenir le minimalisme sur le long terme, c'est tout simplement vous motiver, donc avec différentes choses. Il y a différentes sources de motivation pour ce mode de vie minimaliste, mais en tout cas, l'idée c'est vraiment de voir du progrès dans votre démarche et de voir les bénéfices. Une des choses que j'adore faire, c'est de regarder tout ce que vous avez vendu sur Vinted ou tout ce que vous avez donné sur Give par exemple. Donc, comme ce sont des applications, en fait vous avez souvent tout à la fin de toutes vos ventes, une partie où vous voyez tout ce que vous avez vendu, enfin vous avez les annonces. Et par exemple, moi je sais que sur Give, je crois que j'ai vendu 80, ben j'ai donné, parce que sur Give on donne, j'ai donné 90 objets je crois, et en fait j'adore regarder ça parce que je me dis, mais en fait tout ça, tous ces objets que je vois passer sous mes yeux quand je check l'appli, je me dis tous ces objets je m'en suis débarrassée, et mais qu'est-ce qui ne me manque pas en fait. C'est ça qu'on se rend compte aussi, des fois on accumule des choses, tous ces objets là je suis tellement contente qu'ils soient partis à d'autres personnes qui j'espère les utilisent, mais de toute façon moi je me dis
qu'est-ce que j'en ferais maintenant. Donc je suis trop trop contente de voir ça et de voir que bah, j'ai donné plein de choses, j'ai vendu plein de choses, mais au moins ces choses qui m'étaient inutiles ne sont plus chez moi. Toujours dans un délire de motivation, l'idée c'est de comparer aussi votre maison avec la maison des autres. Alors, comparer dans vos têtes, enfin, comment dire, moi ce que je fais c'est que, en fait ça s'est fait naturellement, c'est que simplement j'avais mon ancien appartement qui était très très vide, mais moi qui me correspondait très bien, mais qui était très très simple, très très minimaliste. Et en fait quand je vais chez les gens, inconsciemment je me dis il y a énormément de choses quoi, c'est fou. Bien sûr chacun fait ce qu'il veut, donc vous m'avez compris, mais l'idée c'est de vous rentrer chez vous après et de vous dire ah ouais, je kiffe ma maison comme ça, je kiffe mon logement comme ça, j'ai énormément progressé depuis telle époque où j'accumulais beaucoup. Ou alors simplement juste constater que ce que vous avez, le peu de choses que vous avez chez vous, ça vous apporte de la gratitude et ça vous suffit. Autre chose qui peut vous motiver, voir les économies réalisées. Donc pareil sur les applications comme par exemple Vinted, on a un portefeuille qui est même consulté par mois, je crois, par année, où on voit toutes les économies qu'on a fait. Après bien sûr sur ce porte-monnaie, on peut aussi réutiliser l'argent que nous a rapporté Vinted pour réutiliser et acheter d'autres choses d'occasion. Par exemple, ce que je fais moi, c'est que la plupart du temps, je fais des virements. Donc c'est-à-dire, dès que j'ai de l'argent sur mon porte-monnaie Vinted, je me le vire sur mon compte pour ne pas être tentée de réutiliser cet argent à racheter des choses qui me seraient pas forcément utiles. Mais j'ai par exemple acheté des cadeaux pour Alma, donc les fruits et légumes à découper, je les ai achetés sur Vinted. Je lui ai acheté un livre que je trouvais pas à la médiathèque, que j'ai acheté sur Vinted. À chaque fois, c'était moitié prix et tout. Donc je trouve quand même qu'il y a des choses dont on peut servir avec ce porte-monnaie là pour faire des achats d'occasion qui sont bien sûr réfléchis, etc. Mais comme ça, ça permet vraiment de faire des économies tout simplement. Donc ça passe même pas par votre banque, en fait c'est simplement avec votre porte-monnaie Vinted que vous rachetez, donc ça peut être très cool aussi. Et enfin, la dernière chose qui peut vous motiver, ça peut être aussi de vous fixer un objectif. Donc ça, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo sur le minimalisme, je crois, mais vraiment se fixer un objectif, je pense que c'est ce qui fait qu'on garde la motivation pour ce mode de vie. Donc ça peut être n'importe quel objectif, que ce soit financier ou bien simplement un objectif d'avoir un intérieur cocooning qui nous ressemble, dans lequel on est bien. Je crois que chacun peut avoir un objectif différent. Moi je crois que ce serait celui de faire le ménage le plus rapidement, parce que genre, je vois ma mère avec tout, par exemple les bibelots qu'il y a et tout, faire la poussière sur chaque truc, chaque jour. Moi je suis hyper contente, enfin du coup là j'ai pas d'appart, mais quand j'avais mon ancien appartement, d'avoir très peu de surface à nettoyer déjà, à faire la poussière, etc. Et en plus ces surfaces sont vides, donc t'as juste à faire ça et c'est propre, pas de bibelot, tout ça, enfin ça, je franchement c'était très cool. Bref, j'ai hâte de me faire mon petit logement minimaliste de nouveau et je vous partagerai ça en temps voulu. En attendant, j'espère que tous ces conseils, astuces vous auront été utiles si vous êtes motivé à continuer votre démarche minimaliste. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve très bientôt avec une prochaine vidéo, et en attendant je vous dis ciao! All we do is drive around aimlessly, trying to forget who we want to be.